Hola, yo soy Mon de Mon Road Trip y hoy es primero de mayo. Hoy no trabajamos porque es día del trabajo, pero ofrecemos buggy. Viens avec moi pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Le 20 juin 1889, le Congrès international socialiste de Paris, réuni pour le centenaire de la Révolution française, fait du 1er mai la Journée internationale des travailleurs en mémoire des manifestations de Chicago. Cette journée a pour objectif de lutter pour l'obtention d'une journée de travail de 8 heures. En 1919 la jornada de 8 horas se establece y el 1 de mayo sigue siendo un día no laborable, es decir, un día no trabajado ni pagado. Fue hasta 1947 bajo el régimen de la liberación que se convirtió en un día festivo, o sea, un día no trabajado y pagado. El Día del Trabajo fue y sigue siendo un día feriado internacional. Hoy, el Día del Trabajo es muy importante en Francia, no encontrarás ni un autobús ni un tranvía para moverte. Y tampoco vale la pena irse de shopping porque de verdad todo está cerrado. Pero hay tres opciones disponibles. Desfilar por las manifestaciones tradicionales del 1 de mayo. Disfrutar del día libre con tus amigos, familiares, etc. O ambos. Mais alors, pourquoi on offre de muguet ces jours-ci? Bon, les Celtes ont célébré les retours de l'été le 1er mai et ont considéré les muguets présents à cette époque de l'année comme une fleur porte-bonheur. Plus tard, à la Renaissance, le 1er mai représentait la fête de l'amour durant laquelle on fabriquait une couronne de fleurs pour l'offrir à l'être aimé. Les muguets, fleurissant au mois de mai, ornaient bien souvent ces couronnes. À cette même époque, le roi Charles IX reçoit en 1er mai un brin de muguet et une guise de porte-bonheur. Il décide alors d'offrir du muguet tout le 1er de mai aux dames de la cour. La tradition d'offrir du muguet le 1er mai perdure jusqu'à nos jours, et tout le monde peut vendre du muguet dans la rue. Il n'y a pas de formalité ni de taxes ces jours-ci. Pour les plus superstitieux, seul un bouquet de muguet à 13 clochers portera bonheur. Pourquoi est-ce qu'on offre des muguets ces jours-ci? C'est tradition qu'on offre un brin de muguet à chaque personne qui porte le bonheur. Donc on le rapporte chez nous comme une forme de bonheur. Tiene un olor como a no sé qué. No es cierto. Huele como entre muy fresco, como a pino. Y tiene un olor como a una flor que no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Te mando muchos buquets para que tengas mucha suerte. Así es como es el Día del Trabajo en Francia, como pudiste haberte dado cuenta, las manifestaciones es muy normal y sobre todo en las grandes ciudades. Es muy interesante, ¿no? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que sigas descubriendo este país conmigo. Hasta la próxima.